qui s'appelle Atlantis Ultima. C'est un jeu de rôle sur le navigateur à l'époque. Et plus précisément, on était joueurs, mais on était aussi dans l'équipe administrative. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on était à 800 km de distance. Le jeu était censé être un truc léger, sans prise de tête. Du coup, se rajouter ça au milieu du jeu, c'était pas très malin, quoi. Au départ, c'était une relation de boulot, entre guillemets. Puis on a commencé à discuter sur MSN à l'époque. MSN. Et de fil en aiguille, pâte à coups fin, au bout d'un an ou deux... Un an et demi, je suis allé la rencontrer. Et une semaine après, j'ai emménagé chez elle. Dans mon cas, les gens ont pu se trouver ça étrange de partir du jour au lendemain habiter avec quelqu'un. Donc pas de rapport avec le jeu. Voilà, le rapport avec le jeu était vraiment très très secondaire dans l'histoire. Ouais, du coup c'est bizarre. Sauf l'anecdote de ma sœur qui me disait que rencontrer une fille sur internet, on savait pas que c'était, elle pouvait me tuer, m'attendre avec un couteau. Voilà, mais c'était plus pour la blague qu'autre chose. Alors, par rapport à des sites de rencontres, carrément, ça change totalement la dynamique parce qu'on n'y va pas pour ça. Par rapport à des rencontres extérieures qu'on aurait dans un cercle de potes, je suis pas certaine que ça change énormément de choses parce qu'en fait on se rencontre autour d'une activité qui nous plaît, un peu comme on ferait quand on sort avec des potes en fait. Donc je suis pas certaine que ça change beaucoup de choses. Si ce n'est que tu vas pas forcément avoir le côté attirance sexuelle qui va rentrer en jeu, du coup tu vas plus te rencontrer la personne dans son cerveau et sa réflexion que dans son physique d'abord. Et je crois qu'il y a une appréhension la première fois que tu montes ta photo ou que tu reçois la photo de l'autre de te dire je le kiffe, mais si jamais il me plaît carrément pas physiquement quoi en fait. Non, on n'est pas rien. On a des enfants, c'est pire. Enfin, je sais pas, c'est pire, mais ça marche aussi bien que le mariage en fait. Ouais, voilà. Ouais. Engagement. C'est le même engagement que le mariage, les anneaux et la paperasse en main. Ouais.